Hello, hello, hello. Je dois vous faire un update sur la caméra OBS Bot TEL-R que j'ai acheté, la caméra sans fil là que j'ai pris sur Amazon. Je sais pas combien de temps ça fait, mais j'ai dû rendre cette caméra parce que elle m'a lâché en plein live Twitch. Je me suis fait malmener salement hier. Aujourd'hui, ça va quand même. Aujourd'hui, c'était pas mal. Oh, pourquoi c'est noir comme ça? Attendez, pourquoi c'est noir comme ça? Bizarre. Cette caméra. Mais j'ai l'impression que cette caméra me fait des siennes. Pourquoi tu. Attendez, ce truc. Allez, caméra 2, non. Caméra 2. Oh là, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Allez, on débranche vite fait. Ok, allez, je filme quand même pour l'envoyer au service client. Hop. Boum. Ok. Ok. Et voilà. Ça donne ça. Je sens que. Attends. C'est Amazon donc. Est-ce qu'ils vont me rembourser ou pas? Ça me ferait chier s'ils me remboursent pas parce que là. L'image, elle est totalement dégueulasse. Bon, je vais checker ça tout à l'heure. En plus, je ne l'utilise pas énormément, je ne stream pas beaucoup. En plein live, ça a commencé à mettre des traits dégueulasses, un peu comme les télés à l'ancienne. Et j'ai écrit directement au service client de OBS Bot. Do me a Ils favor, m'ont un please. peu Get out gentiment of allé here. me faire foutre. Get out of Voilà, here, man. Shit, I'm étant donné saying. qu'ils ce sont pas les vendeurs, ils ne prennent pas en charge, ils ne vont pas prendre en charge le matériel. Ça m'a fait chier jusqu'à ce que je me rappelle qu'en fait je l'ai acheté sur Amazon en fait. Je l'ai acheté sur Amazon, donc Amazon me couvre encore. L'appel avec Amazon a duré moins de 5 minutes. Ils m'ont dit ok, renvoie le matériel. Ils m'ont offert un bon et de retour j'ai renvoyé et j'ai été remboursé ce matin. Voilà. Donc 581 euros, quelque chose comme ça. Ça m'a fait un peu chier parce que je croyais beaucoup en cette caméra. Je me suis dit que ça aurait pu être un petit changement dans la création de contenu pour moi. C'est une caméra que j'aurais pu recommander. Du coup, cette fois-ci, ben après, ça fait des mois que j'utilise. Je peux vous dire que ne l'achetez absolument pas parce que c'est un problème. Je pensais pendant un petit moment que c'était un problème HDMI, mais en fait c'est comme si la caméra elle avait surchauffé et que le capteur avait lâché en fait. Donc à tout moment cette caméra peut vous lâcher en live et si vous n'avez pas et si vous l'avez pas acheté sur Amazon ou chez un vendeur responsable et qui veut pas vous faire des frayeurs, il n'y avait aucune chance que je me fasse rembourser. Donc pour ça, merci Amazon. L'idée de la caméra, elle est bonne. Le fait de pouvoir mettre une carte mémoire dedans et enregistrer du contenu. Le fait d'avoir une batterie directement dedans, ça veut dire qu'on peut se filmer, enregistrer du contenu dehors. Le fait de pouvoir directement le brancher à un Apple Mini, ça fait une deuxième. Moi, c'est comme ça que j'utilisais. J'utilisais dans mon setup en tant que deuxième caméra sur un slider. Donc, non seulement la caméra slide, mais ça me traquait en même temps. Je trouvais ça assez stylé. Ça fait un effet un peu parallaxe. Et puis, quoi aussi. Donc, pas une très belle expérience avec cette caméra. Je pense que j'attendrai un moment avant d'aller vers des caméras. Donc, voilà. Bon, si Sony fait une caméra comme ça, je vais l'acheter. Je pense à ce que ce sera pas le même prix. Si Canon fait une caméra comme ça, mais des compagnies comme OBS Bot, etc., je pense que
je vais me contenter d'acheter leur gimbal pour le moment. Hein. Quand ils font des petits trucs sympas, je vais le prendre, mais j'irai plus acheter une caméra vers ce genre de marque aujourd'hui en tout cas. Peut-être que ça changera. Je suis quelqu'un qui est tout le temps dans la découverte, mais c'est vrai que cette expérience m'a refroidi et voilà. Sinon, j'ai d'autres trucs d'OBS Bot. J'ai OBS Bot Mi sur lequel tu places ton téléphone et ça te traque aussi. Je sais plus ce que j'ai d'autres d'OBS. En tout cas, j'ai deux trucs de leur compagnie. Ça faisait la troisième chose. Donc voilà, un retour d'expérience. Il fallait que je fasse une vidéo update. Donc si quelqu'un, hein, si j'ai un ami qui a 600 euros à dépenser ou 500 euros à dépenser dans une caméra et que cet ami veut acheter l'OBS Bot TLR, je lui dirai non, ne l'achète pas. Voilà tout, prenez soin de vous, c'est Animal Shadow. Venez me rejoindre en live 2 fois par semaine sur TikTok et sur Twitch, mercredi soir et samedi soir. Pour le moment, je fais 2 lives par semaine, donc sur Twitch et sur TikTok, Twitch Animal X. Prenez soin, Twitch Animal X Shadow. Prenez soin de vous et à très bientôt. Lâchez un commentaire. Ciao, ciao.